Et salut, ici Todd, et aujourd'hui on se retrouve les amis pour l'épisode number 6 de notre Toto Plaisir Binding of Isaac. Et oui les amis, un petit Binding of Isaac comme vous l'aimez. Bon, j'espère que cette fois il sera pas aussi long que l'épisode précédent, c'est-à-dire le number 5, parce que quand même 58 minutes ou une heure, je sais plus, c'était un peu long quand même, hein. Bon, il y en a peut-être qui sont pas ennuyés, mais bon... Voilà, c'est un peu long, donc je vais essayer de faire ces épisodes en 30 minutes, 45 minutes, hein, pas plus, sinon c'est vraiment beaucoup trop long pour une partie. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc c'est parti, une nouvelle partie, avec un écran titre changé, et oui, parce que je me suis amélioré, et aujourd'hui on va jouer avec Kane, parce que moi j'aime bien Kane, je me suis entraîné avec lui, et je peux vous dire que, voilà, hein, j'ai avec son luck et foot, j'ai beaucoup plus de chance, et ça c'est bon. Bon, les petites mouches. On sait comment les vaincre, super simple. La salle d'or est juste à côté, c'est parfait. On commence super bien. Une petite clé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh my god, c'est Mr. Boom. Ah, Mr. Boom. Et oui, les amis, Mr. Boom, hein. Space pour l'empêche, une bombe assez gigantesque qui fera one-shot les boss au premier level. C'est parfait. C'est... Oh, il y avait un cœur. Bon, un cœur, j'en ai pas besoin, j'ai déjà tout. Oh my god, mais c'est Lust. Je te reconnais. Mais qu'est-ce que t'as fait à ta face? Regarde ton visage. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pris un steak sur la tête ou quoi? Oh, une pub pour moi, qu'est-ce que c'est? Teleports. Génial, ça m'a téléporté dans la salle juste à côté. C'est vrai que c'était très efficace, les amis. C'est pas grave, allez hop. On va essayer de trouver... Non, j'allais dire, on va essayer de trouver une bombe, mais on en a déjà une énorme à notre disposition. Pour trouver la salle secrète, les amis. Ça ne change pas, la salle secrète. Ah bah voilà une bombe, parfait. Oh non, 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 toi. Ah, j'ai dit stop. Alors, avant de mettre la bombe là, parce que vous dites voilà, il y a trois salles adjacentes, je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres. Bon, a priori, il n'y a pas d'autres salles qui soient adjacentes à trois autres. Donc, bon, je sais que la salle secrète, hein, est au-dessus. Voilà, la cabasse. Et j'ai failli rentrer dans la salle du boss sans faire exprès, c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire une pierre de coup? Non. Allez hop, hein, c'est par ici les amis que ça se passe. Like a bass. Oh my fucking god. Woohoo. 13 pièces pour notre ami Tot. Bah, je sens que ça commence bien ce game. Ça commence très très bien. J'ai une bombe. Enfin, on a plusieurs choix les amis. En fait, à la boutique, on sait que les objets coûtent environ 15 pièces. Allez, hein, je vais pas avoir besoin de la bombe pour tuer le boss, hein, pas besoin. Ah, une pilule, espérons que c'est quelque chose de bien. Oh non, oh my god, oh my god, oh my god. Oh non, non. J'ai troqué, moi, Mr. Boom pour une diarrhée de bombe. C'est un bon plan, mais bon, je vous le conseille pas quand même. Allez, on continue. Bah, on va quand même voir ce qu'il y a à la boutique, hein. Il y a peut-être quelque chose qui coûte 7 pièces, hein. Espérons. Génial. Pourquoi si je suis-je aussi chanceux? J'espère que tu vas donner un bon truc. Oh merci, au moins un bon truc, hein. Et on va prendre une petite bombe, les amis, on sait jamais. Bah, hein, prenons la bombe pour aller ouvrir le coffre à gauche. On sait jamais, il y a peut-être quelque chose de bien là-dedans. Allons voir. Est-ce qu'on aurait dû laisser notre Mr. Boom? Voyons voir ça. Ah. Eh ben parfait. Ah, c'est bien en fait, hein. On a bien fait d'acheter cette bombe. Voilà, allez, hop, on arrive à la salle du boss. J'utilise ma carte mystère. Et regardez les amis, je suis deux fois plus grand. Oh my fucking god. Alors monsieur, je fais presque la même tête que toi. Pas besoin de me faire cette tête là, monsieur. Arrête de faire la tête du gentil. Tu n'es pas gentil, tu n'es en plus. Tiens, prends ça. Ça va aller, Kane? Ouais, je pleure comme un mort. Bon bah ça va alors. On se fait plus avoir les amis, hein. Monstre qui nous dégueule dessus, on sait comment esquiver ça, hein. C'est facile. Et non. Voilà. Et HP up, un cœur en plus, les amis. Bah, c'est bien tout ça. Allez. On démarre très 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 bien. Ah, puis quand on est plus grand, on a tous les caractéristiques qui sont augmentées de 1. J'ai oublié de vous le dire, c'est pour ça qu'on avait 4 cœurs en fait. Et là, on est retrouvé à 3. Alors, les petits qui sautent, ça va toujours? Ah oui, on saute toute la journée. Comme c'est Gwegai. Eh, fallait pas le dire, les mecs. Ah, trop tard, on le sait maintenant. C'est Gwegai fréquente ce genre de choses qui sont sans tête, les amis. Et oui. Et on a retrouvé Mr. Boom, c'est parfait. On a plus de bombes, donc pour trouver la salle secrète, ce sera beaucoup plus simple. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi tranquille.
laissez-moi tranquille. Non. Non. Voilà. Alors, on va chercher dans la mer, dans les années, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est dans la mer qu'on trouve les plus belles choses. Non. Quelqu'un là-dedans? Non. Quelqu'un là-dedans? Non, il y a personne. Bon. Ok, bon, deux coffres, j'espère qu'on va avoir plus de bombes. Oh my god. Mais c'est Troll Face Guy. J'ai décidé de l'appeler comme ça parce que je l'aime. Troll Face Guy. Il est assez simple à tuer. Oula, sauf quand il se dédouble comme ça, je sais jamais par où ça va partir. Allez les amis, on joue à la pétanque, hein. Je joue cochonnet, vous le savez. Hop là. Les boules se multiplient. Ah oui, les boules se multiplient. Calme-toi, c'est pervers, c'est vrai. Hop, 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 hop. Voilà, poker face. Ça veut dire que je vais bientôt mourir. Faudra peut-être que je me reprenne. Aïe. Moi aussi, faut que je me reprenne. On se calme, on se calme. Hop, 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 hop. Ah, j'aime pas quand il y a 15 000 boules comme ça. Ah non. Ah oh. Oh, hop, 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 hop. Oh. Vous avez déjà fait du dodge de boules, mes amis? Je peux vous dire que c'est génial. Ah non. Oh. Pff. Oh, il y en a trop. My god. Voilà, je sens que je suis à la fin là. Allez. Un petit dernier coup. Voilà. Tout ça pour une bombe, c'est parfait. On sent que là le boss veut bien me troller, hein, Troll Face. On connaît sa signature. Bon, on va aller en bas maintenant, les amis. Voyez voir ce qui se trame là-bas. Hello, Lelimas. J'aime bien la voix qu'ils font, je sais pas, je suis peut-être sadique, mais j'aime bien. Bon, qu'est-ce qu'on a ensuite? Allez, moche. Allez. Vous arrêtez de vous toucher, je sais pas ce que vous faisiez là. Salle de vrai, qu'est-ce que nous avons? On va garder la licorne, les amis. Mister Boom, on va le troquer, bien évidemment, parce que c'est que la licorne, c'est beaucoup mieux. Enfin, pour moi, c'est beaucoup mieux en tout cas. Mais je vais garder Mister Boom pour trouver la salle secrète. On sait jamais. Alors. Hop. Et hop. Voilà. Perfect, la cabasse. On va essayer de faire deux pierres, un coup. Non, je rigole. Une pierre, deux coups. En faisant ça, les amis, vous êtes prêts? Attention. Boom. Headshot. Bon, on va avoir. Avant d'aller dans la salle secrète, on va taper ce petit mec. Salut, t'es bien? Bien, j'ai cassé la merde qui était entre nous. Oh, très belle image. J'ai cassé la merde qui était entre nous. Oh, ça c'est. Oh, attendez, je vais tester quelque chose. Si on a un objet qu'on échange par le même. J'ai jamais vu ça. On a un objet et on échange par un même objet dans la salle dorée. Oh, mon dieu, les amis, c'est exactement ce qu'il me fallait. Oh oui. Oh oui. Oh my god. Non. Prochain instantané. Non. Je me suis fait troller. Je me suis fait troller, les amis. Like a boss. Oh my god. Ça marche sur l'objet en lui-même et pas sur deux objets différents. J'aime pas ça. C'est ma faute. J'aurais pas dû jouer avec le feu. Ou plutôt avec la licorne. À qui j'ai arraché sadiquement cette magnifique corne. Bon, on va essayer de recharger cette licorne. Enfin, cette corne au plus vite. Oh, une pilule, qu'est-ce que tu vas me donner, toi? Oh, des bas de gaz, bah oui, bien sûr. Les mauvaises pilules me font péter, ça a pas changé, les amis. Donc, on avait deux coffres ici. Mais on a qu'une bombe. Est-ce que je vais privilégier le coffre et je perds la seule clé que j'ai? Ou je garde ma clé pour aller voir à la boutique ce qu'on peut m'acheter? Bon, je vais tester quelque chose, les amis. C'est ce que je voulais faire. C'est vrai, hein, je mens pas, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais des pièces en fait. D'accord, donc en fait ça n'a servi strictement à rien. J'ai perdu une clé. J'ai perdu une clé. Pour rien. Oh my god. Bon, c'est pas grave. Allez, on va faire le boss, hein, tranquillement. On n'a pas la corne, on s'en fiche. On va le faire tranquillement. Hein. C'est le deuxième boss. Canvas du Duke of Flies. On le connaît bien, les amis. Il n'y a pas besoin d'en faire tout un plat. Allez, viens là, je vais te ramener la tapette, mais là. Je suis toute tes
j'espère que tu vas leur dire adieu. Putain, il est compliqué. Quand on n'a pas de dommages en plus, on prend 3 heures pour avoir ses touches. Oh là là, sérieux. Oh non. Mais t'es un enfoiré, Didier. Ah, me prends en sandwich. Mec, t'as déjà des mouches pour jouer. Oh. C'est, voilà, c'est ces mouches-là que j'aime pas. On va voir s'il y a un truc dans la merde. Petite pièce, c'est exactement ce qui va m'aider pour pas de souffle. Je vais dire rapide ou face. Si c'est face, je te fais ravaler toutes tes mouches si tu vas en mourir. Si c'est pile, je te balance des larmes dans la gueule. Bon, je crois que c'est pile. Hop. Je vais essayer de me concentrer pour plus perdre de vie parce que voilà. Allez, il manque rien. Voilà, c'est bon. Et on va récupérer. Ça m'énerve, ça m'énerve. De pire, bêtement des cœurs là-dessus, les amis, ça m'énerve. Je vais me concentrer. Oh. Ah. On a eu le pansement, les amis. Et j'ai une magnifique fleur sur le coin de l'oreille. Yeah. En fait, les amis, j'ai jamais compris. En fait, le pansement, je l'ai depuis quelques temps et j'ai jamais compris parce qu'il me dit ça me donne 2 cœurs. Je suis bien d'accord, ça me donne 2 blindages. Vous l'avez bien vu comme moi, mais ça me donne un réceptacle en plus aussi. Ceci n'explique pas cela. Voilà, donc hein, vous y réfléchirez. Ce sera ce qu'il voudrait faire pour demain. Une petite bombe s'il vous plaît, parce que là il y a 4 belles bombes qui m'attendent, hein, mais il me faudrait une bombe justement pour débloquer ce passage. S'il vous plaît, une bombe. Tu as une bombe pour moi, s'il te plaît, mon ami. À part des mouches, tu as quoi? Tu as une bombe maintenant? Non. Toi, tu as une bombe? Non, mais passe pas par là, je peux pas te taper. Voilà, perfect, my friend. Bon, des pièces, c'est pas vraiment ce qu'il faut, les amis. Là, il nous faut. Faut des bombes, hein. Faut des bombes. Bien sûr, chanceux comme je suis, vous allez voir, la bombe va apparaître au milieu. Donc, je ne pourrais pas la voir. Oh my god, je suis chanceux. Je joue Kane et normalement, je dois être extrêmement chanceux. Oh mon dieu. Oh, cette chance. Oh my god. Bon, c'est pas grave. T'as pas une bombe pour moi, s'il te plaît? Allez. Non, sérieusement, sinon tes mouches, je te les fais ravaler. Oh, 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 oh. Oh, oui. Les amis, je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Donc j'espère qu'il le sera aussi. Oui, merci, 2 cœurs, mais il me faudrait des bombes, mon ami. Donc essaie de les sortir de je ne sais pas où. Vu comment tu pousses, bah voilà, parfait. Je sens que tu l'as sorti de ton derrière. Je te remercie. En aurais-tu d'autres pour moi? Ou un objet, n'importe quoi. Perfect, je t'aime, mon ami. Voilà, voilà, vous voyez, il ne faut pas tuer ces petites personnes. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 je sens mal, les amis. Aïe, aïe, je sens mal parce qu'en fait, j'ai peur qu'en mettant la bombe là, ça va péter donc le rocher là, mais pas le rocher devant. Donc, je ferai comment? Hein? Je vais quand même essayer de trouver une autre bombe. Hein, parce que sinon, en tout cas, je remercie mon ami le SDF pour m'avoir donné ces objets. N'oubliez pas, dans la rue, vous rencontrez un SDF. Oh là là, mais faut que j'arrête de perdre des cœurs bêtement. Rencontrer un SDF et puis vous donner de l'argent, peut-être qu'il va sortir des trucs de genre un billet de 500. Hein. Bon, je pense qu'il va le garder, mais bon. Mais arrêtez de taper, bordel! Ce serait quand même marrant qu'un SDF sorte une bombe de son derrière, quand même, comme ça, dans la rue. Ça pourrait faire une bonne vidéo sur YouTube. Allez, les petites bombes, enfin, là, ça va être compliqué. Je vais utiliser ça, les amis. Je préfère. Perfect. Qu'est-ce que tu as pour moi? De high brightness. C'est quoi l'autre? De l'over. Bah voilà, je vais mettre les cœurs là en attendant, les amis. De high price, je sais ce que c'est. Price test, pardon. Je sais ce que c'est, ne vous inquiétez pas, hein, je fais pas ça au hasard. Comme j'avais l'habitude de faire dans le premier épisode. Mais dans le premier épisode, je vous rappelle, je n'étais qu'un noob. Hein, on est bien un noob un jour ou l'autre. Et toi là? Et toi là? Oh mon dieu, t'as senti là, hein? T'as senti comment j'ai voulu te dodger, mais en fait c'était une ruse. Et oui mon ami, comme ça tu m'as donné une bombe. Et oui, c'est ça qu'il nous faut, les amis. Allons tout de suite aller chercher le petit butin. On va tester, hein. Non, je l'aurai jamais, hein.
Ouais, c'est ça le problème, j'aurais qu'une bombe, hop, bah voilà, là, je fais comment, là? J'embrasse le rocher, je lui fais quoi? Non, je vais lui mettre une bombe sur la tête, hein, pour être sûr de récupérer le maximum de choses. 4 bombes pour notre, en notre possession, ça c'est très très bien. Les deux cœurs, hein, on sait jamais, ici, on va aller en haut. Hello, la petite mouche, gang bang de... c'est le gang des mouches pareil, ici? Hello. Ça va? Hop, 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 hop. Et hop. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh, parfait. On va faire un petit tour à la boutique, les amis, un petit près. Ah, un petit près. Un petit près, bah oui, pour dire un petit peu de temps. Après, un petit près. Un petit près. Oh, non, j'ai... Oh, ce dodge. Oh, ce dodge. Oh, ce dodge. Allez, hop, 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 hop. Toi, tu vas mourir. Like. Ah, j'ai eu ma gueule. Je pensais vraiment que j'allais me faire bouffer le petit orteil. Oh. C'est bien, mes Toto Friends. Vous m'êtes respectueux. Et je vous suis respectueux à vos tours. En vous offrant des épisodes de Binding of Isaac. Et ces mouches qui me prennent en son lit, ça commence vraiment à m'énerver. Lâchez-moi. Voilà, merci. Ah, c'est franchement, je suis désolé d'être vulgaire, mais ils sont chiants, hein, eux. Allez, voilà, perfect. Allez, tu meurs mon ami. Tu meurs, je suis désolé. C'est la loi de la cave. C'est pas la loi de la jungle, on est pas dans la jungle, on est dans la cave. Enfin. Une petite clé. Qu'est-ce que nous avons? Speed plus range. Like a boss, on a donc tout ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Oui, je fais attention les amis parce qu'une un ancien enregistrement, je regardais mes stats. Donc là, je vous parlais et tout et j'ai fait échappe. Et là, j'ai appuyé sur entrée. Donc en clair, ça a redémarré le jeu. Je me dis non, c'est pas possible, il faut que je le refasse. C'était juste avant en fait. Donc non, je ne veux pas mourir. Voilà. Des fois, je me trompe, hein, je dis mais... Vous pouvez remarquer les amis qu'on a eu speed à fond, hein, speed à fond. Hein, Donc là, on a eu speed plus range. Donc on est au maximum de notre vitesse. Et on a une bonne portée, hein. Bon, 2 barres, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite pilule. Oh my god, ah, moi aussi je sors des bombes de mon cul. Ah. Et j'ai encore perdu des cœurs bêtement. C'est la loi de Toth. Tu parles et tu perds des cœurs bêtement. Oh, enfin, je t'ai pas eu, toi. Didi. Allez, viens là. Viens là que je te fasse un bisou. Non, je rigole. Oh non, pas eu. Bon bah les amis, hein, ceux qui veulent une dédicace de moi. Regardez, c'est Toth, Toth, dédicace. Allez vous faire foutre, allez vous faire foutre. Ah, ils sont longs à tuer quand on n'a pas de dommage. C'est juste énorme. Allez, allez. Ah, t'as 3 coups pour les avoir en forme bouillie. C'est ça la forme bouillie, hein. C'est quand ils sont en train de se recomposer en fait. Ah, dernière fois, yes. Hop, hop, hop. Et toi, tu meurs, mon ami. Dernier stage. Oh, avec les mobs les plus chiants du jeu aussi. La méthode du rond. On fait la ronde. On fait la ronde. Je fais la ronde tout seul. Ah, là, je me suis trompé de bouton, par contre. Hop, 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 hop. Le coup de la ronde, c'est impossible trop de suivre. Un deuxième coffre. Yes, on avait fait le faire, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a eu dans... Ah oui, on a une gélule qui nous donnait de la diarrhée de bombe. Oui, 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 c'est une façon de voir les choses. J'ai pas pris l'autre cœur, les amis, parce que je sais que le cœur en bas, c'est un demi-cœur, en fait. Regardez. Regardez plus. Regardez, regardez ce demi-cœur. Et bah oui, on vaut mieux économiser un cœur plutôt qu'un demi-cœur. Oh, mais dis donc. Mais arrête de vomir ça, mon ami. Mon ami, tu as mangé du curry. Regarde, tu te bats. Oh my god. Je crois que c'est vengé. Moi aussi, je vais manger. Tiens, un coup de maman. One shot. Voilà, c'est comme ça que je me mange, les amis. C'est pas compliqué. J'avais pas envie de passer du temps dessus de toute façon. Ça ne veut pas dire que maman est mon allié pour autant, les amis. Ah, faut pas. Dit Impress. Oh, je sais plus ce que c'est ça. Impress. Yeah! Yeah! C'est que des temps à servir à rien ce que j'ai de faire, c'est pas grave. Yeah! J'ai 13 pièces. Il m'en manque 2. Oh, mais on s'en fait chez elle. Puisque nous avons trouvé la salle secrète. Ah là, ça va être complexe. On a 1, 2, 3, 4. Ouh, j'espère qu'on va la trouver vite fait. Allez, 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 allez. Non.
Enfin, on s'en fiche, on a assez de bons, mais... Au maximum, je peux en dépenser 4, ce serait vraiment dommage, quoi. Allez. La cabasse. Des pièces. La cabasse, les amis. Voilà pourquoi il faut toujours trouver la salle secrète, c'est très important. Surtout pour, à la fin, vous aurez sûrement beaucoup de pièces, et souvent, s'il arrive, on tanne dans les 40 pièces, vous savez pas quoi en faire parce qu'il n'y a plus de boutique. Alors, vous avez qu'à prendre ça. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Dans les salles secrètes, vers la fin du jeu, vous avez donc des machines à sous qui permettront de vous vider un peu de vos poches. De vos bourses, pensez Guigai. Que dois-je prendre? Que prends-je, pour être français? J'ai pas une pièce sous la main là pour faire un pile ou face? Non. Il est où le thé dans Tot? Il est à gauche ou à droite? À de Raigo et de... Des... Gauche! Yes. Donc voilà le compas, les amis, qui me permet de voir les salles secrètes, tout ça. La salle dorée, la salle du... de tournoi et la salle du boss. Bon, là ça ne sert à rien pour ce stage puisqu'on a déjà tout vu. Mais regardez, pour le stage suivant, ce sera beaucoup mieux. Allez, on est prêt, on est chaud. Ce qu'il me faudrait là, c'est du damage. On a mis Fistula. Quel VS Fistula? Excusez-moi, je ne l'ai pas fait. Yeah. Oh non! J'aime pas, je sais jamais quand la licorne se termine en fait. Pour ça, à chaque fois, je me fais avoir. Vraiment pas de dommage. C'est juste immonde. Ah, ça m'énerve que ça tombe sur vous, les amis. Hein. Parce que j'ai. Quand je joue tout seul, hein, j'ai presque jamais ce problème là. J'ai toujours au début du bon dommage, donc ça va nickel. Ça rajoute du piment, hein. Bon bah un cœur en plus. Hein. Un cœur en plus, le lunch. Nous déjeunons, hein, de la dog food. Hein, et je viens de me prendre un melon dans la gueule. C'est génial. Allez. Donc voilà, là vous voyez tout. On voit pas la salle secrète, autant pour moi. Où est-ce qu'on va en premier, les amis? J'ai pas de clé. J'ai pas de clé. Mais on va quand même aller voir la salle dorée. Au plus vite, en espérant que c'est du dommage. Oh my god. Non, il faut pas que je les attaque. Ils savent quand je les attaque. Voilà. Wow, ce timing. Je l'ai fait exprès. Allez hop. Mon ami, lève-toi. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Lève-toi. Mais viens, j'ai un truc à dire. Viens. Qu'est-ce qu'il y a, Tot? Et bah boum. Voilà. Tout ce que tu mérites. Et toi là, toi. Non, viens, j'ai un truc à dire, viens. Regarde ma fleur. Eh bah non, je déconne. Bon, hein, autant utiliser une bombe pour avoir une pièce et une bombe. Voilà. Continuons. Eh ouais, les mecs. Eh ouais. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, ouais, les mecs. Franchement, s'il y a quelqu'un qui me voit dans la rue qui passe ça, enfin, je sais pas comment vous pourriez me reconnaître, à part que je fais toujours des conneries. Si jamais vous me mettez dans la rue, vous faites hey, Tot. Ah, toi, tu regardes mes vidéos, t'as. Oups. Et on a pas de clé. Bah alors, Tot. On espère trouver la clé sous le paillasson. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de paillasson. Je viens de me prendre cette boule alors que je l'ai facilement dodgé. Oh non. Allez, je me concentre. Bah voilà, elle était sous le paillasson en fait. Donc le paillasson, c'était du sang. Deadbird, my friend. Salut Toto. On touche la masse aujourd'hui. Bon, c'est pas lunaire, hein. Tu sais très bien que je t'aiderai que quand on te fait mal. Oui, c'est exactement ça, Toto. Mais bon, tu sais, je m'y fais à force. Hein. Troutrouille. Ne traite pas de troutrouille, mec. Qu'est-ce qu'il flippe sur Amnésia d'habitude, hein? C'est pas moi. Oui, bon, tu restes. On est quitte? On n'est pas quitte pour autant, mais bon, on en parle. Bon, vous pouvez me lâcher, vous? Sérieux, là? Ah, ils sont intelligents, ces mobs, quand même. C'est ça que j'aime bien chez Banny en vrai. Vous voyez, il y en a qui font le tour pour essayer de m'avoir, mais non, c'est pas suffisant. Mais non, les mecs, arrêtez. Arrêtez. Alors là, sérieusement, j'arrive pas. Oui, j'en ai eu un. On arrête. Hop. 1, 2, 3. Non. Voilà, c'est ça qui est chiant quand on n'a pas de dommage. 1, 2, 3. Voilà, parfait. 1, 2, 3. 1, 2, 1.
2, 3. Ah, 3 larmes dans ta face, c'est ça qu'il te faut, mon ami. C'est la cure de tête. 3 larmes dans ta face, ça fait du bien. Bon. Enfin, je pense à quelque chose. Excusez-moi, mon ami, je me reprends. Ah, j'aime pas ces fistulas-là, ces formes de fistulas, parce que regardez ce qu'elles nous font. Regardez, hop, voilà, une belle mouche. Soit qui... Ah bah, cette fois, c'est des mouches rouges. Des fois, c'est des... C'est, le plus part du temps, c'est des mouches noires. Voilà, comme ça, voilà. Des mouches qui font bien chier leur monde. Excusez-moi d'être vulgaire, je ne le ferai plus. Mais bon, il y a des choses comme ça, hein. Vous leur donnez un nom, hein, et puis ça vous reste. Ah bah, bravo, bah voilà. Et Toto, il arrive alors que la bataille finit. Oh, mais t'es un sérieux, quoi. Je te rappelle qu'il te manque un cœur. Oui, c'est vrai. Il manque un cœur. Mais on va essayer de pallier ce problème. Oh là là, celui-là attaque extrêmement fort, les amis. Il va falloir faire très attention. Le vert là, vous voyez, Shrek numéro 2. C'est Shrek quand il est vraiment pas content, celui-là. Il va faire très très attention. Allez, Toto, fais le ménage, Toto. Bécote-les, bécote-les. Comme tu bécoterais ta copine. Toi, tu n'as pas de copine. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Oh! Oh! Toto, tu m'as sauvé, merci! De rien, Toto. Bien joué, Toto. Merci, Toto. Voilà, une dorme le bon pour toi. Je reviens dans tes cheveux. Ok. Bon, là, ça se voit pas, mais normalement, Toto est dans mes cheveux. Hein. Il y a une sorte de petite, petite broche, en fait, qui ressemble à. Ah, donc, à un oiseau. Non, là, ça va trop m'énerver. Désolé. Ah, la blague! Comment troller Tot? Comme ça. Mettre un joli trou pour pas qu'il passe. Bah, vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je vais te dire un truc, viens. Boum! Eh, tiens, que. Eh, attends, regarde ma fleur, regarde ma. Quoi? Voilà. Regarde! Eh, ben non. Attends, attends, attends. Oh, oh, oh. Oh. Des larmes! Donc là, vous voyez, les amis, mais vous me dites, mais Tot, mais où tu vas là? Bah, je me dirige vers la salle du mini-boss, hein. Il peut me donner, genre si c'est Bomberman, hein, il peut me donner des objets très intéressants. Oh, une petite machine à sous. On ira après la boutique. Bah voilà, Bomberman, on parlait de lui justement. Je l'appelle toujours Bomberman, mais il a un autre nom, hein, les amis. Hein. Il n'y a pas de plagiat. Hein, oh, 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 dis donc, tu voulais me mettre une bombe entre les jambes, toi. Ça, c'est du ressort de Perverse Good Guy, hein, c'est pas moi du tout. Tiens, prends ta bombe. Non, mais sérieux, j'aurais pas de tes bombes. Non, mais j'aime pas, je te dis. Voilà, on l'a tout doucement. Like a bass. Non, mais je te dis quoi? Oh, arrête. Il comprend pas. C'est comme un Mumu, hein, pour ceux qui jouent à LOL. Il veut me donner des bombes, il veut être gentil. Mais non, je veux pas de bombes. Surtout quand elles sont allumées, mon ami. Ça ne sert à rien. Bon, allez, on continue. Donc. Dang, dang, dang. J'ai pas dit dunk, j'ai dit dunk. Oh fuck. Oh my god. Pourquoi c'est tout rouge? Pétez un coup les mecs, hein, ça sera déjà mieux. Voilà, comme ça. Vous voyez, comme vous pétez un coup, vous êtes beaucoup moins rouge. La cabane, une petite clé. Ah, la boutique est juste là. C'est parfait. Oh my god, j'ai prendre un texte violent dommage. C'est pas bon du tout. Eh, oh, on se calme là, j'ai perdu beaucoup trop du cœur là. Oui, toi là. Eh, Toto, fais quelque chose au lieu de vouloir à côté de moi là. J'ai pas envie, Toto. Ah, ça, voilà ça que je te demande depuis tout à l'heure. On va aller chercher ces petites bombes. Utilise une pour en avoir trois. C'est-à-dire qu'on en gagne deux. Bravo, on est en primaire. Alors. Oui. Non, j'ai pas. Oh, j'ai pas assez de pièces. Oh, le gros vent empêche. Oui. Bah non, non, tu peux pas, non. Ah, bah non, tu peux pas me l'insérer comme ça, non. Bon, bah non. Ah, c'est bon. Bon. D'accord. Bah, je me suis bien fait avoir là-dessus, les amis. Bah, je vais prendre le cœur, hein. Bon, même si... Ouais, on peut encore trouver la salle secrète. J'entends déjà qu'ils disent ça, mais bon. Je veux bien, mais je suis certain qu'on aura passé. Voilà, vous voyez. Vous voyez, je me fais troller. On va utiliser quand même les pièces. On a 5, 6 pièces, hein. Les amis, quand même, que ce n'est pas une très très bonne partie, hein. Pas comme on a pu avoir dans l'épisode précédent. J'espère beaucoup que dans les prochains levels, on va avoir des meilleurs objets.
Ah là là. Ah, un petit cœur plus c'est bien. Oui, moi je dis pas non. Autre chose? D'accord, donc bah, je vais te péter en deux quoi. On fait ça? Ah, allez, tu me donnes 3 bombes, merci. Et on va les péter, même si ça prend du temps les amis, on va les péter la machine à sous qui est en haut à gauche. De toute façon, on peut plus avoir de pièces dans ce level là, donc autant en profiter. On a 10 bombes, allez hop, c'est parti. Ah, ça m'énerve que j'ai pas de bons objets. J'ai tellement débloqué d'objets les amis, j'en ai tellement à vous montrer. Ah, ça m'énerve sérieusement, bon c'est pas grave. C'est quand même un bonheur, hein, un petit bonheur hein, de passer cette petite game de Binding of Isaac avec vous, hein, comme d'habitude. Ça ne change pas. Je fais ces vidéos pour vous divertir et vous faire passer de bons moments. Allez. Quel est ce boss? Mais c'est Pip! Oh my god, Pip. Quel est ce Pip? Oh my god, Pip, je crois que tu es vert. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu te mets tellement en fond, je trouve. Oh my god, tu m'as fait mal là-dessus. Bon, alors là, va falloir la jouer serrée, les amis. J'ai pas la licorne. Toto, je sais pas pourquoi il est en train de poursuivre l'œil alors que tout le monde sait qu'il est invincible, donc ça ne sert à rien. Toto, arrête! Oh, mais toi, je suis pour rien. C'est plus fort que moi. Ah, t'as vu, il a pissé sur le mur. Ouais, j'ai vu ça. Question de la jouer en finesse. Oh mon dieu. Allez, Toto, fais-toi plaisir, là. Picore-lui. Picore-lui. Enfin, picore-le plutôt. Picore-le, like a boss. Tu peux le faire. Tu es fort pour le. Mais quand je suis. Ah, c'est encore ses yeux, ça. Bon, les amis, je me concentre, je ne parle plus trop. Ça va être serré, les amis, ça va être serré. J'ai pas envie de perdre. Oh, mais Pip, pourquoi tu as cette couleur là? Mais Toto, attaque Pip au lieu d'attaquer ses yeux. Non. Ah, c'était prévisible. Très prévisible. Eh bien oui les amis, encore une fois avec Kane nous avons fail. Et oui, fail. Dear diary, today I died. I was scared by the thing. Pip. The big Pip. In some cave. I leave all that I want to my cat copy. Cool stuff. Goodbye, cruel game. Bon bah les amis, hein, je... C'est bien dommage, hein. C'est bien dommage hein, qu'on s'arrête là. Eh oui, bah je vais pas redémarrer une game, hein, alors que... On est déjà à 32 minutes. Donc si vous avez aimé cette petite game, hein, toute sympa, faut vous dire, hein, il faut bien des fails et des... je vous dis, hein, l'épisode précédent, on est quand même allé jusqu'au cœur de maman. On avait de bons objets, là, on est moins chanceux, on a des moins bons objets. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine game, hein, on reprendra Kane. Je reprendrai Kane, justement, pour vous montrer qu'on peut avoir de bons objets avec lui. Donc si vous avez aimé ce petit épisode, n'hésitez pas à mettre des pouces verts, des commentaires, partagez hein, si vous avez bien aimé. Et abonnez-vous pour devenir un Toto Friends, si ce n'est pas déjà fait, et pour ne pas louper les prochains épisodes. Allez, moi, je vous dis salut à tous, c'était Todd pour le Toto Play de Binding of Isaac. Allez, salut à tous, et portez-vous bien.